parole à palais.com. Nous sommes le dimanche 15 janvier 2017. C'est la deuxième sortie de Piloin Pifon pour le mois et pour l'année. Nous en profitons pour souhaiter le bonjour, le bonsoir à tout auditeur, auditrice, internaute qui trouvait autant en capitale là, dans tous les coins et recoins de nos villes de province qu'un peu partout à travers ce monde-là et qui fait de l'émission ça leur tribune de prédilection. Je rappelle que Piloin Pifon, c'est un espace côté nous mettait régulièrement projecteur, non seulement sur tout ce qu'il y a dans le vent, mais aussi et surtout sur les dossiers d'État. Madame, Monsieur Hélène Télorigo, nous très contents de l'écoute que vous nous offrez parce qu'elle fait concevoir de la fierté justement. Actualité dans le pays d'Haïti semaine ça, marquée tout d'abord par cette cérémonie œcuménique que la présidence de la République a organisée sur la cour du Palais National, jour jeudi 12 janvier qui se passait à 10h du matin, en vue de rendre hommage aux victimes du séisme du 12 janvier 2010, à l'occasion du 7e anniversaire de ce séisme justement. Il est à noter que le bureau de communication de la primature t'a fait sortir le 9 janvier 2017 un communiqué dans lequel il était informé que par arrêté en date du 6 janvier 2017, date 12 janvier désormais, il déclarait journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres. Actualité en Pabo ici, alimentée semaine ça encore par le dossier du sénateur élu de la Grandance Guy Philippe, qui est en prison depuis 5 janvier 2017 en Floride, aux États-Unis d'Amérique, pour son implication présumée dans l'affaire trafic de drogue et qui était comparé pour une deuxième fois dans le tribunal, côté l'Ital plaidé non coupable, jour vendredi, qui était 13 janvier 2017 l'an. Actualité 1, pas beau ici de semaine ça, c'est aussi l'Assemblée nationale qui est arrivée faite, jour lundi, qui était 9 janvier 2017 l'an, soit le deuxième lundi de janvier, Jean-Loi prévoit l'an dans le Parlement avec 75 députés et 20 sénateurs. N'a pas rappelé que l'Assemblée nationale l'an t'est faite après que le Sénat t'ait fin validé le pouvoir des 6 nouveaux sénateurs. Voilà les points, madame, monsieur, qui prennent à l'ordre du jour dans Piloin Pifon. Côté n'a fait bon accueil à 3 invités de haut rang, Himmler Rébu, ancien colonel Force armée d'Haïti, conseiller du président Jocelyne Privert, Camille Leblanc, qui c'est avocat, mais qui c'est tout ancien ministre de la Justice, et Woody Erivo, qui c'est médecin, ancien président de la Chambre des députés, ancien ministre communication, porte-parole PHTK. Camille Leblanc, bonjour, bienvenue dans Piloin Pifon. Bonjour Taylor, et ma profiter saluer tout auditeur d'Etrice Cap Côté Radio à matin. M'a salué les techniciens mis en donne, m'a salué sénateur Erivo, ministre Erivo. Donc les deux n'ont pas de problème, donc sénateur, ministre. Et donc c'est un plaisir pour moi, avec nous matin, dans l'académie. Ça. Très bien. Vous dites Erivo, bonjour, c'est avec un pile plaisir que n'a pas que vous n'avez pas fond aujourd'hui. Hein. Bonjour, M. Taylor Rigaud, permettez-moi saluer tout et M. Camille Leblanc. N'a profité saluer et compatriotes capables sur les mises en ordre là, Wilkie Bonaventure. Et tout auditeur et auditrice qui branchait Piloin Pifon sur Radio Vision 2021, son plaisir pour nous répondre à l'invitation. Très bien. Donc nous partis là pour un bel Piloin Pifon. M. Camille Leblanc, écoutez. Jeudi, qui était 12 janvier 2017 l'an, gagnait la présidence qui était organisée. Une grande cérémonie dans la Cour Palais National de façon pour être capable de rendre hommage aux victimes du 12 janvier 2010. Et alors lundi, victime 12 janvier 2010, là, nous avons un monde qui était mort dans un séisme dévastateur. Ça. Mais on dit que de notre côté, M. Camille Leblanc, gagnait le bureau de communication de la présidence, on dit plutôt de la primature, qui était fait qu'on est que et par arrêté en date du 6 janvier 2017, eh bien, date 12 janvier désormais, l'y déclarer journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité pays d'Haïti par rapport à désastre, par rapport à risque. Votre point de vue?
Bon, la démarche est bonne, mais maintenant, faut pas t'arrêter, on simple démarche. Parce que poser problème, journée de réflexion sur la vulnérabilité, et pendant ce temps, ne rien faire, laisser mon nuit après construire de la même façon, dans les mêmes conditions, avec un bagage qui pend dans le visage, nous, n'importe quel petit tremblement de terre encore, pour nous gagner la même situation, hein, donc ça l'a devenu, on farce et on plaisanterie. Même si, effectivement, prend pause là, pour réfléchir sur la problématique vulnérabilité. Vulnérabilité sous la problématique et tremblement de terre, mais pas seulement. Sous la question et cyclonique aussi. Regardez ce qui s'est passé, parce que réflexion, pas doué simplement, la question de vulnérabilité n'est pas seulement posée sous question sismique là. L'est posée parce que chaque année, pendant 6 mois, pays d'Haïti menacé par les questions de l'ouragan. Et nous, ouais, ça a passé année ça, avec et Mathieu. Donc, et ça a passé à, ça veut dire chaque année, le bien doit passer. À cause problème et réchauffement planétaire là, ou gagner une fréquence de grands ouragans qui possible. Mm-hmm. Et tout le monde dit. Maintenant, comment vous posez problème de vulnérabilité là, pour que les grands événements, parce que si cyclone ça a passé de l'autre côté, ou remarquez autant de ces deux mondes qui ont un problème, ou bien quelques petits cailles qui baillent, ou pas tant de catastrophes là. Mais depuis ça, Haïti, c'est une catastrophe. Parce que nous posons nos situations, côté monde fait n'importe quoi, et autorité ou état gardé, m'a gardé Pétionville, on a monté sous 9, 17 âges, avec des blocs qui ont posé. Tout le monde a gardé, m'a dit, ça, qui garantit gain, n'importe quel moment, on ne peut pas sur tout le monde. Bon, effectivement, il faut nous poser problème. Non seulement, moi, m'a gardé après ça, mais les cailles a construit dans les mêmes conditions, avec même petit fait, même petit mouvement que tu peux faire, ils ont fait encore. Et les gens prennent en bas, parce qu'il y a aucun problème sérieux de logement dans le pays, les gens acceptent n'importe quoi. Ils ont prennent en bas, et n'importe quel événement, ils ont attendu même catastrophe là. Maintenant, nous t'ai dit, moi-même, je t'ai parlé dans la radio, je t'ai dit, après les bagailles qui sont passées dans le cyclone, non, il n'y a pas qu'à longer deux feuilles tol ou bien deux planches bas au monde encore. Faut question, nous construit et un nouvel habitat en tenant compte de cette réalité. Réalité de cyclone à des capacités énormes de destruction. Faut ou préparer pour lui. Faut cyclone, non, faut faire des constructions qui correspondent à la force la plus importante qui est capable de résister. Et pour cela, même il est important pour faire nouvel habitat, mais en même temps, faut l'État construire projet ça et permettre dans villageo mettre le disponible pour mon avec des conseillers capé des nouvel habitat ça. Non seulement ça, il faut aussi zone qu'on même estimé qui doit des abris. Ça veut dire les écoles, les églises etc. Faut que l'État tagon on pensée spéciale dans constitution bazayo pour répondre à norme pour abri. M'pa pas déplacer moun la cali mettre en bon bagage pas tomber sous lui. Donc il faut que non seulement moun la il ca sécuriser moun nan, mais aussi moi ca mettre là dans espace ça on réserve pour des jours. Si me connaît m'ca gain 3 4 jours moun pa ca sorti, moi gain réserve alimentaire, de l'eau etc. Donc faut penser question dans sens ça. Et malheureusement nous pas aucune réflexion, les reconstructions à faire sans yo pas obéir à aucun plan. Donc pour moi-même, l'idée d'un journée de réflexion permanente, c'est une bonne chose. Mais maintenant, faut pas en face, faut ou suivre donc mise en place avec on capacité l'État pour l'accompagner une nouvelle façon de faire. Mm-hmm. Mais écoutez, Maître Leblanc, de notre côté, pendant que gouvernement officiel, autorité a invité un pile secteur à la réflexion sous affaire désastre, sous affaire risque dans le pays d'Haïti. Mais est-ce que au même tout, vous prenez du temps pour réfléchir sur ça? Bon, maintenant, moi-même, je pense que le rôle des gouvernants, c'est ça. Le rôle des gouvernants. Maintenant, moi, je pense que c'est bon ou associer réflexion pour là à tous les secteurs. Mm-hmm. Parce que vous devez attendre tout le monde. Comme dirigeant, je vous l'ai dit, ou bien toute sa voix, ou c'est la sommité, etc. Faut attendre tout le monde qui a coopéré, contribué par leur réflexion, pour permettre ou même ou prendre décision. Parce que l'offre de tout le monde, ou de tous les éléments de réflexion, ou intégrer en dedans, soit faire, laissez au cas prendre les meilleures décisions. Mm-hmm. Parce que la démarche, elle est bonne. Okay. Maintenant, la seule chose, je souhaitais que l'y parité seulement, dans le niveau ça,
parce que laisse à la bonne face, faut que le suivi des faits, ça veut dire qu'il y a des décisions pour prendre et décisions ça faut matérialiser par la mise en œuvre de structures adaptées et adéquates. Mais qui opinion sous cérémonie qui était organisée jour 7e anniversaire là même dans le palais national comme pour te rendre hommage aux victimes du séisme du 12 janvier 2010. Oui, non, mais j'aime tout rendre hommage à des victimes. Lorsque vous quittez les choses, vous recommencez la même chose. Donc, ça veut dire que son monde qui a une folie rend hommage. Ça veut dire que vous avez tout le temps il y a des phénomènes pour rendre hommage. Donc, moi-même, parce que rendre hommage, ça veut dire montrer que vous prenez les mesures, vous mettez en place les mesures, vous prenez les décisions qu'il faut pour que ça ne se produise jamais. Donc, c'est là, après tant les dirigeants, il faut qu'on fait des choses pour dire. Ça a été passé, n'a pas commémoré, mais aussi, nous prenons les mesures pour que ça ne va jamais reproduire en Haïti, parce que nous connaissons. Et c'est des choses connues maintenant. Et Haïti, sous des failles, et même failles qui étaient explosées le 12 là, il n'y a pas même rentré dans failles connues. Or, les failles connues, il y a des mouvements qui ont fait là même et qui montraient que il y a réagi à n'importe quel moment. Donc, ça veut dire que vous êtes avisé. On en face des situations qui mettent Haïti dans une vulnérabilité extrême. Ça veut dire que, de l'autre côté, qui gagne Chili, tremblement de terre fait, ou pas tant de catastrophes comme ça, et Japon, c'est toute la journée, catastrophe, c'est combien, et ou pas tant de catastrophes comme ça, parce que, yo connaît, yo dans l'espace, ça qui a produit, et yo prépare en conséquence. Et je vais mettre là qu'on a dit, et donc, c'est pareil pour pareil. C'est pas un miracle, c'est pas l'autre bail. Préparer pour préparer. Donc, mettre en place les structures pour qu'on prenne le produit. Donc, ou pas qu'empêcher le produit. Mais si le produit, ça veut dire qu'on a une capacité, sauf pour résister par rapport à lui-même, pour éviter le maximum, pour pousser le minimum de morts de personnes qu'on gagne. Et c'est là seulement, si l'État haïtien. Mais il ne fait pas rien parce que il est impliqué des investissements. Écoutez, faut l'État t'a mis en place structure capable à travers les mairies, parce que c'est dans les mairies il y a une autorisation pour construction. Dès que vous venez en plan, faut qu'il y ait un technicien là capable de garder plan. Et faut qu'il y ait un technicien qui prend sous les lieux en permanence. La mairie l'a construit qu'on y a. Il demande au bout de 300 000, 400 000 gouttes. L'homme en demain, pour faire qui ça? Si l'on baille comme ça, yo te gon ingénieur y'a voyé, vin gade au fur et à mesure évolution travaux, si yo respecte les normes, ou comprend nous baille comme là, c'est normal, parce que l'autre côté aussi ou baille comme là, et pas un problème. Mais yo même l'autre côté, l'on baille comme là, et bien à chaque phase, avant passer d'une phase en l'autre, ou mon technicien et mairie vin gade, il dit oui, ou respecte plan ou te balle là, ou mettre continuer dans la deuxième phase là. Tant qu'on pas passé et contrôle ça, ou pas foutu, enfin, et puis devant. Donc ici, n'est-ce pas mettre par aucun investissement pour mettre en place structure de vérification ça ou demander un coût, il y a un coût, il faut former des mounes, etc. Donc, l'État refuse de former des mounes pour répondre à l'obligation fondamentale que le gain et pour assurer que la population est sécurisée, parce que c'est Wally. Maintenant, s'il ne pas fait, il préférait des journées de réflexion. Je pense que moi-même, je n'ai pas journée de réflexion, mais journée de réflexion, il faut qu'on soit capable d'amener à prendre les meilleures décisions et pour prendre les décisions, hein, c'est pas pour une décision, on arrête et puis finir là, faut mettre en œuvre. Et pour cela, faut mettre les structures qui permettent mise en œuvre la fête. Très bien. Vous direz, ils vont écouter. Jeudi, qui était 12 janvier 2017 l'an et qui était ramené le 7e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, eh bien, la présidence de la République t'a organisé une cérémonie œcuménique de manière pour être capable de rendre hommage aux victimes eh bien, du séisme du 12 janvier 2010. Mais de notre côté, nous devons rappeler que gagné le bureau de communication de la primature avant de faire sortir une note dans laquelle eh bien, il était annoncé que par arrêté en date du 6 janvier 2017, eh bien, date 12 janvier désormais, il a déclaré journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres, votre avis? Eh bien, Napral dit trois bagages ça yo. La première chose, c'est que tragédie 12 janvier 2010 l'a marqué à jamais
et peuple haïtien, c'est un traumatisme, mais vraiment d'une rare violence. Nous gagnons encore dans le cœur, nous, dans l'esprit, nous, et pour un pile, nos compatriotes, nous, yo, stigmate de tremblement de terre dévastateur, ça. Donc, c'est une bonne initiative que gagnons une journée nationale là, de réflexion et de sensibilisation, justement, sur la vulnérabilité d'Haïti et aux catastrophes naturelles, aux désastres. Et premier élément, donc nous dit bravo parce que prière, nous pensée, nous devons toujours accompagner. Et monde qui était victime de séisme, ça, pas qu'on haïtien qui pas gagné, yon proche, yon famille, yon ami, yon proche, yon connaissance, qui malheureusement était victime de tremblement de terre, ça. Nous songez que nous étions au Sénat de la République, il y a des sénateurs quand même qui perdent la vie, il y a d'autres qui étaient sous la décombre, côté que, il faut le dire, le président préval à cette époque, nous-mêmes, qui partions en bas des combes, nous avons porté assistance, nous, bay sénateur ça qui fait que eh bien grand pile nan jodi an qui continuaient à vivre et pour le bonheur de leur famille de pays an et m'envie dit tout de démocratie en de pays nous. Ça c'est premier élément. Deuxième élément c'est que c'est occasion tant qu'on met le blanc mettre accent sur ça pour que nous capables justement et comprendre que et son pays très vulnérable et que par exemple les normes de construction et pas racismique, il doit respecter scrupuleusement. C'est occasion que le tremblement de terre de janvier 2010, ben non, justement pour que nous ne pas baisser la garde, pour nous continuer à être vigilants, pour non seulement question construction, yo, mais les normes d'urbanisation. Ou gagner par exemple cette mégalopole de Port-au-Prince, hein, qui sont en ville saturée, sursaturée, et qui est victime du phénomène d'exode rural massif, côté que gagne pile et citoyens haïtiens, des paysans qui quittaient l'arrière-pays et qui viennent gonfler dans Port-au-Prince à la recherche d'une vie meilleure. Conséquence, ces phénomènes bidonvillisation, hein, insécurité, construction et n'importe qui j'en cap fait sans que pas respecter nos mieux. Donc voilà que ou gagné une ville qui était construite pour 250 000 monde et qui journée aujourd'hui hein, a aller au-delà des 3 millions et d'habitants, c'est plus que un pays comme la Slovénie, ancienne République Yougoslave, c'est pratiquement la population de pays comme l'Uruguay. Donc ou gétan ouais qui et pas capable encore pas capable encore. Donc c'est moment justement pour mettre accent sous nécessité pour que au lieu que son exode rural massif qui gagne mais c'est phénomène inverse ça que nous travaille pour lui, à savoir un exode urbain créer des activités, travail et dans section communale, dans commune, dans département yo, pour que nous décongestionner et capital là, pour que compatriotes nous suspendent à vivre dans des conditions exécrables d'insalubrité et de malpropreté dans les quartiers difficiles là, de Port-au-Prince, puis on retourne à la caillou, mais puis on retourne faut que qu'on bagaille y a fait pour capable et aider famille yo. Ça c'est l'autre élément et pas oublier des civilisations ont disparu. Et ou gagnent et la civilisation maya qui disparaît, Haïti qui a disparaît tout. Si nous pas prendre les choses au sérieux. Jodi an, yon pays tant coupé d'Haïti, c'est moins de 2% de couverture et forestière. Yon pays comme le Gabon, là où se tient, pendant ma parler là, la Coupe d'Afrique, la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est 80% de couverture forestière. Donc si bagay yon a parlé dans terrain, que après aller là, avec justement passage, cyclone Mathieu, ouragan Mathieu, ou qu'arrive dans le carrefour, côté que ce pays se transforme en un désert, avec toutes conséquences dramatiques que ça a gagné, côté où risque même disparaître. L'autre élément que nous voulons mettre accent sur lui, dans la question ça, c'est que 12 janvier 2010, en dehors de, d'accord, dit souffrance, deuil, douleur, qui t'est marqué, qui t'est affecté, qui t'est frappé, population, ça. Il t'est metté à nu tout, t'est montré, t'est révélé le formidable, mais vraiment, un formidable élan de solidarité entre Haïtiens. Et nous, tant qu'on nous écrit sur compte Twitter, nous, cette solidarité aurait dû se poursuivre au-delà de cette date funeste. On va joindre ça. Ou après 12 janvier, tout le monde yon pote et secoue bay l'autre, coller les épaules, bay l'autre manger, pote de l'eau, pote et boisson, accompagner moun, pote support psychologique bay moun qui affecté, moun qui perdu, moun qui en bas des combes, moun qui risqué vio pour aller retirer moun en bas des combes. Quel bel exemple de solidarité entre haïtiens, inter-haïtiennes. C'était magnifique, merveilleux à voir. Mais que s'est-il passé au-delà de cette date du 12 janvier? Au fur et à mesure, les démons de la division, des déchirements, de chicanes,
stérile dans mi-temps peuple ça yo refait surface qui fait que nous oublier belle bagaille qui unit nous alors que ce qui nous unit est encore plus fort que ce qui nous divise donc même élan ça met Taylor Ego auditeur d'accord avec que nous te joignons le 12 janvier 2010 mon cher il tape très bon pour santé pays ça pour santé politique économique social pays d'Haïti parce que le montre que haïtien qui capacité pour vivre ensemble pour unir pour capable joindre formidable harmonie et symbiose ça qui ca permettre que eh bien nous plus efficace nous bail un meilleur rendement que ça que n'a monté pendant des années là mais qui ça qui explique rapidement sénateur que oui. Pas continuer faire preuve de ça eh bien c'est parce que les mauvaises habitudes ont, et malheureusement on la vie dure c'était comme si on sorte de parenthèse que tragédie ça t'est ouvri pour montrer que Haïti est capable de vivre ensemble. Ou est que Haïti est capable de vivre ensemble. Ou est qui bonté que gagne dans mitan yo. Ou est que l'union fait la force ça t'est matérialisé dans moment ça. Mais malheureusement, écoutez les question de politique aïri, division, tiring qui existait, yo vinn reprend le dessus sur cette ce formidable élan de solidarité, de générosité, de concorde qui t'est gagné dans journée ça et puis avec regret avec un sentiment d'impuissance parfois de dégoût surtout ou vinn assister à même vieille approche manichéenne yo côté que si là c'est démon si là c'est diable et puis de l'autre côté vous avez les enfants de cœur vous avez les saints or il n'en est rien nous capables de tirer le meilleur de ce qu'il y a en chacun de nous son opportunité même que la vie hein, que le destin offre pays nous pour nous être capables de resserrer les rangs et puis alimenter ce qui nous unit au lieu que pour nous entrer dans vie approche dans clivage dévastateur et qui t'est fait que nous yon campé loin l'autre donc c'est un moment non seulement de réflexion de sensibilisation j'ai dit là moi me dis bravo pour initiative ça mais aspect sous respecter règles jouette là pour que pays ça pour que descente aux enfers ça au niveau environnemental pas continuer pour que entente ça, unité ça, vivre ensemble ça, solidarité ça, que 12 janvier te permettre que nous t'es exploité dans mitan chaque haïtien, eh bien pour nous t'es capable de continuer cultiver. D'ailleurs, l'état déplorable dans lequel se trouve notre pays, nous le commande, nous l'exige, et de nous-mêmes nous dit, tant qu'ouais par exemple président Jovenel dit dans le programme Nian, il va falloir que la question environnementale la question environnementale lie au cœur de priorité. C'est la priorité des priorités. Avec l'emploi dans ce pays, mais la question environnementale, c'est la priorité des priorités. Parce que là, nous disons vulnérables, ce n'est pas un lieu commun. Son réalité qui crue, qui évidente devant nous là, qui montrait à quel point si rien n'est fait, eh bien, nous risquons. Et bon pays qui finit, qui n'est pas fini dans mes noms, d'où la nécessité que nous tout mettons tête nous ensemble. Et le programme du président Jovenel Moïse gagne la donne, ok? Il y a un aspect fondamental côté même dans l'école, ok? Si mon cap planté pied bois, évidemment encadré, accompagné par des techniciens, la part vient en matière. Donc, ou est-ce que mathématiques, ou est français, ou est chimie, ou est-ce que vous avez des points comme. Ok? Et ça capable créer un élan. De reforestation, de réhabilitation d'un environnement qui continuait à dégrader de manière extrêmement dangereuse. Ok. Nous avons avec nous Colonel Himmler Ebu, qui l'a depuis quelques bonnes minutes. Avant que nous entrions dans le vif du sujet avec lui, nous avons permis de saluer. Justement, nous avons permis que. Nous avons permis que lui salue l'auditeur. On a salué tout le monde, on a salué Belvanel Sorgan la matin. C'est avec plaisir nous allons passer un petit moment ensemble. Oui, Colonel Rebu, et nous t'as parlé de cérémonie ça que la présidence de la République t'a organisée jeudi qui était 12 janvier 2017 là, à l'occasion du 7e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010 comme pour rendre hommage à victimes séisme ça qui était passé hein. Mais en même temps gagner le bureau de communication de la primature qui t'a fait sortir un communiqué dans lequel il était annoncé que, et pas arrêté en date du 6 janvier 2017, eh bien, il a fait date 12 janvier, vin, ça y aurait été une journée nationale de réflexion sous affaire risque, on dit plutôt sous vulnérabilité pays d'Haïti face au désastre, face au risque.
votre point de vue? Bon, nous avons une réalité de déstructuration globale en Haïti, déstructuration physique, déstructuration morale, déstructuration environnementale, même genre sénateur a parlé là, et nécessité pour nous prendre des actions. Et avoir des journées de réflexion, c'est une bonne idée, mais alimenter réflexion en action, et moi je crois que c'est le devoir de maison ça nous vient pour nous mettre. Et nous faire constat, déjà, dans tout domaine, dans le domaine environnemental, dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine de la sécurité, tout. Et là, après, nous avons une réalité devant nous, nous ne mourons pas bonnes et pas paquettes, un accident sur route, tout le temps, et nous pas capable produire une réflexion pour nous stopper mal ça. Donc, nous avons pile table devant nous, qui demandait nécessité pour nous, au-delà de la réflexion, mais pour nous entreprendre des actions constructives, pour nous capable échanger ça, nous n'est pas bon. Votre point de vue sur cérémonie ça? Bon, c'est une cérémonie allégée, en ce sens que l'idée c'était pour nous, ok, chaque 12 janvier, on a plein de regrets, mais au fait, qui ça n'a fait? Donc, c'est une cérémonie symbolique, moi qu'on a toujours continué à gagner, parce que trace que des assa a quitté et dans le corps social haïtien, m'a qu'on a jamais et fini face li. Et ou a regardé quantité moun ki mouri, quantité moun ki sorti handicapé, et c'est un bagaille. Ou a regardé nous gen un gros cadavre ten beaucoup k'ap manise le palais national, et m'ta k'ap dou c'est l'op ran bala ville là qui déstructuré totalement. Donc son chay n'ap gen pou nou pote pendant longtemps, et li mande à la fois réflexion, action, mais surtout on mise en commun des potentialités, des valeurs pour nous faire face à problèmes et résoudre. Ok, Guillaume Leblanc qui tente de rebondir. Oui, non, je t'ai rebondi tout à l'heure sur le sénateur, il a dit, il a démontré que dans la journée, ça, c'est une période dont grande solidarité, qui est vrai, mais très rapidement rattrapé par les démons de ce pays. Très rapidement, vous remarquez, la politique aérienne a pris les devants. Le chef de l'État, Gampil Moun, qui vient présenter et disponibilité, il n'a pas occupé personne de monde. Il a replié sous une équipe autour de lui-même. Et puis, nous attendons ça des sénateurs, nous avons dit, côté que l'équipe autour du président, qui t'a fourni des kits, qui pas même vaut et $40 si ça que là dans qui t'a vendre à payer à $70, ça veut dire que les mêmes malhonnêtes et profiter d'un moment où c'est moins grave pour s'enrichir. Donc les choses nous ont rattrapé, et je pense que c'est un moment de solidarité, et ça pire, c'est un moment pour que les haïtiens d'hier et d'aujourd'hui te retrouver ensemble dans un cheminement côté que tout le monde reconnaît où ça ils sont, et nous te ouais gagne des article qui t'apparaît dans le journal Le Monde à l'étranger, côté des gens qui t'a fait déclaration, pas concerné. Il y a vivre là, il y a fait comme, mais pas concerné. Donc, et nous te joignent même des gens publier des articles ici pour dire d'accord à ça, mon nom, etc. Alors que aux États-Unis, où il y a un événement qui passe, il y a 3000 personnes qui mourent, qui pas 300 000. Même monde qui pas même prend nationalité hier là, même monde qui simple visiteur, tout le monde attristé, tout le monde. Et participer dans nos communs accords, dans le deuil qui passe à tout le monde senti concerné. Tandis que là, 300 000 mourir, il y a des gens qui sont pas concernés, ils ne sont pas gagnés. Donc, les mêmes travers, rattrapez-nous après ce moment formidable que le sénateur a parlé à. Solidarité. Solidarité et spontanée, mais très rapidement rattrapé par les travers de ce pays. Sénateur Rivo. Oui, nous t'avons dit tout que il y a un aspect fondamental pour ne pas négliger, c'est que au fil des années, avec phénomène réchauffement climatique là, la fonte des glaces polaires et avec phénomène El Niño, eh bien catastrophe naturelle yo apral gen plus ampleur encore au cours des prochaines années, des années à venir. Donc c'est un paramètre extrêmement important que nous pas devons négliger, que nous devons tenir compte de lui, pour que il y ait des dispositions qui prend pour mettre des garde-fous, des balises, et pour nous capables mieux armés pour nous affronter, eh bien, ouragan capable pour frapper pays d'Haïti dans prochaine année. Ça y est, cyclone qui a venu, et avec présence faillio et qui existait, par exemple, qui traversait pays d'Haïti, calé en République dominicaine,
pour que nous pas pris au dépourvu et pour que gen moins monde qui mourit lorsque gagne gens de catastrophe naturelle et ça yo qui frappé pays d'Haïti. Donc li extrêmement important pour nous connaître que malheureusement en matière de catastrophe naturelle, de désastre, phénomène El Niño, fond des glaces polaires, le réchauffement climatique évidemment conséquence de l'autre avec effet de serre là qui est la cause glaciaire fond, et bien catastrophe naturelle après le plus terrible et nous devons arranger nous pour que nous capables affronter yo et prendre des dispositions préventives pour capable gagner moins impact sous population. Voilà madame monsieur, c'est là que nous mettons fin à la première partie émission Pi loin pi fond côté n'a accueilli trois remarquables invités, Camille Leblanc, avocat, ancien ministre de la Justice, Woody Rivaud, qui est médecin, ancien président Chambre députée, ancien ministre communication, porte-parole PHTK, Himmler Rebu, ancien colonel Force Armée d'Haïti, conseiller spécial du président Jocelyn Privert. Woody Rivaud, écoutez. Gagné Guy Philippe, le sénateur élu de la Grandance, que la BLTS t'est arrêté jeudi, qui était 5 janvier 2017 l'an, et remettre li by DIE, qui t'a pris rentrer avec lui en Floride, aux États-Unis d'Amérique, côté le trouver en prison. Dans le lendemain, il t'a pris traduit par devant tribunal, côté il t'a fait part de tout ça que t'a reproché lui. Et hier, on dit plutôt, avant-hier, qui était vendredi 13 janvier 2017, là, il était comparé à nouveau, côté, lui-même, avec avocat, il fait connaître que, il a plaidé non coupable. Qui avoue sous le dossier ça, puisque ça suscite un pile débat, mais vraiment un pile débat dans la société, hein, et jetons-t-il lumière pour nous, non, dans le débat, ça y est. Nous avons produit quelques réflexions sur le dossier ça, un dossier assez délicat, et m'en vient ajouter même singulier, puisque pas qu'un côté qui écrit ça que nous vivons là dans le scénario, pas qu'un livre qui prévoit ça, pas qu'un règle qui prévoit pratiquement. Premier élément, je dis ça que fait là, c'est un rappel brutal et de une dure réalité, cruelle réalité qui gagne la caïnou. À savoir que la caïnou chez nous en Haïti, rien ne se fait comme ailleurs. Rien ne se fait comme ailleurs, ça veut dire qui ça, principe yo trop souvent yo foulé au pied. Les principes sont trop souvent bafoués. On pas connaît qui ça que reprocher, ça reprocher au sénateur élu de la Grandance et qui ça gain de vrai ou de faux là-dedans. Et puisque son univers très spécial, m'a dit, et univers est comme on qualifie de glauque, impitoyable, mais ça qui est étranger, et à moi-même, mais ça qui est certain, c'est que manière, ça, façon, que descente là, terrible, ça a été fait devant Radio Scoop FM, li pas bon. Li pas normal, li pas correct. Ça, c'est premier élément. Deuxième élément, c'est que, traitement que infligé à sénateur élu Gandanslan, l'irrépréhensible, parce que le pape même gain possibilité pour gain accès à avocat, ou quel que soit sa reproche au monde. Principe élémentaire, mettre Camille mieux placé que moi pour le capable de parler de question ça, mais principe élémentaire là, c'est qu'on gain droit à un avocat. On gain droit à un avocat qui pour défendre nous, qui pour accompagner dans le moment que y a pris en dos là. Et ça pas été fait dans le cas de Philippe là. Troisième élément et qui suscitait un gros malaise, c'est le mutisme des autorités judiciaires de notre pays. Un silence total, aucune explication. Les médias, le Parlement, chercher gagner des explications, eh bien, autorité brillait par absence et par silence. Un silence glaçant, un silence dérangeant. Ça, faut que nous mettions absence au lit. Il y a des gens qui qualifient le silence de coupable. Et pas privé là, mais son silence quand même assez troublant. Je préférais dire comme ça, parce que faut être honnête jusqu'au bout.
m'a pas dit que li coupable. Quatrième élément que m'ta vle et parler de li là dans émission pi loin pi fond, c'est que la vie politique dans pays nous son perpétuelle litanie de revanche. Comprenez? Si l'abtan l'est que li aux commandes pour le capable attaquer l'autre là ou bien prendre revanche, ça que le considérer comme une revanche par rapport à l'autre situation que lui-même était victime de lui. Par contre, sous-suivre ça, Mabdoula. Ça qui vient bon qui ça? Une sorte de engrenage infernal qui l'a caboyé les acteurs politiques, les citoyens tout court, mais avec une seule nuance capitale. C'est que je dis à ceci-là, demain son lot. À l'arrivée, qui est le grand perdant dans toute cette histoire? C'est le pays, c'est le peuple, ce sont les acteurs politiques. Ça veut dire qui c'est Jody, c'est André, demain c'est Antoine, mais en fait c'est Haïtien qui est victime. D'où la nécessité de casser cette spirale infernale, ce cercle vicieux, pour que ces principes qui triomphent. Et puis, l'autre élément, parce que Guillaume Baye est important, il faut nous dire ça, depuis que il y a toujours une sorte de tentation, de propension pour que ceux qui sont aux affaires, aux commandes, aux timons et du pouvoir, pour que comme si yo n'est pas capable d'y attaquer l'autre monde que estimé, que identifié comme étant entre guillemets ennemi politique. Yo. Ça c'est pas bien, c'est pas correct, ce n'est pas sérieux. Et justement c'est spirale samedi que nous devons casser, hein, nous devons sortir là-dedans. On voit qu'à toute la scène, nous devons nuit l'autre là. Faut nous suspendre avec logique de destruction de l'autre qui marquait, qui caractéristique de la façon de faire de la politique en Haïti, de la politique haïtienne. Et puis, faut nous briser ce cercle vicieux ça. Et puis, l'autre élément que nous devons et ajouter cinquième élément, puisque je parle de cinq éléments, c'est que il faut que y ait des discussions franches, sérieuses, avec nos amis américains. Des discussions, mais vraiment qui marquaient du sceau du respect mutuel. Parce que ce sont de grands amis. Pour qui ça? Pour que nous capables chita, dans sérénité, discuter de questions, de accords qui existaient, dans trafic stupéfiant yo, pour que collaboration effective, pour pas faire mon abus, pour bail justice à, lorsque gagne pour justice, pour bail, pour si on monde coupable dans bagaille, puis répondre de ça, mais en même temps, pour sauvegarder la dignité nationale et la dignité de nos compatriotes, quel qu'il soit, quel que soit bord ou horizon politique que sorti a. Nous devons mettre accent sur cinq éléments ça yo, qui montraient le malaise ambiant qui gagnait autour de ce dossier. Et m'a conclu approche-moi pour me dire que la vérité et la justice triomphent dans ce dossier. Mais pas question qu'il y ait des abus à l'endroit, qui plus est, d'un sénateur élu de la République. Camille Leblanc, Guy Philippe, le sénateur élu de la Grandance, a été arrêté par la BLTS. Ils remettent ensuite by DIE, qui rentrait avec aux États-Unis d'Amérique. Ils ont mis en prison, tribunal tendait la première fois. Ils ont fait le part de l'accusation. Ils ont tendu là, vendredi qui s'est passé, 13 janvier 2017. Elle dit que la plaidé non coupable. Bah, ça fait un pile débat. Qui sont cap, dis-nous. Bon, sous le fait pour M. Guy Philippe de dire, le sénateur Guy Philippe de dire que il est non coupable, il y a deux approches possibles. Une, c'est que il croit que le non coupable, donc la plaidé non coupable, avec tout ça qui a gagné la donne de conséquences, parce que c'est un vrai procès qui a commencé, avec le grand jury qui prend la donne, ou bien ça fait partie de nos stratégies. Parce que l'homme plaidé non coupable, ou signifier qu'on prêt pour fond procès, ça forçait procureur lui-même de négocier réellement avant. Ça veut dire, au fou, des meilleures choses pour coopérer avec elle. Parce que, aux États-Unis, n'importe quel type de procès coûte un million.
on procède comme ça, l'elle va le faire, il va le coûter 10, 15, 20 millions à trésor public, à contribuer. Donc, si pas gagné, si dossier pas solide, faut réagir pour soit sortir la donne volontairement ou bien offre qu'on fait, son offre que nous n'avons oublié d'accepter en tant que tel. Donc, ça veut dire que c'est aussi une stratégie de plaider nos coupables, même sous coupables. Et l'Iguenois fait partie de ça. Bon, mais maintenant, ça, c'est ce qui se passe là-bas. Les avocats, il y a les avocats, au moins, nous connaissons que et le principe droit de pour un bon avocat qui a fait travailler, le juge a tendu la version et le juge a prononcé le grand jury qui lui-même qui va attendre tout le monde et qui va jouer depuis il pas parce que jury a fait partie des citoyens soit fait abus aux citoyens il pas édofel parce que lui-même il est victime demain donc ça va un petit équilibre et qui permet que avec un bon avocat nous penser que on va bon travail donc laissons les choses se faire maintenant revenons à ce qui s'est passé en Haïti donc Nathan épuisé ça va passer aux États-Unis mais revenons à ce qui s'est passé en Haïti. Mais on voit quoi là, rapidement. Et si, ça t'arrive, et si malgré que le PD est coupable, eh bien, dossier vient révéler que le coupable, ça t'arrive. Non, Zabdou, donc s'il connaît, li gagne, parce que l'offre plaît de non coupable. C'est procédure, c'est ça. Juge la relo, li dou. Bon, quelle va être ta position là? Est-ce qu'on plaît de coupable ou non coupable? Si on plaît de coupable, ça veut dire que ou facilité. Et ou pas dans le procès. Ça veut dire qu'il y a pas ni préparer un document conjoint entre vous-même et avocat. Et puis, juge l'a approuvé, question terminée. Nous pas rien pour aller devant grand jury, foncer de bagaille. Donc, ça, c'est avantage système. Nan. Maintenant, ou bien nous appeler des non-coupables. Mais, coup, vous pouvez commencer à présenter les dossiers. Vous pouvez commencer avocat automatiquement appeler des non-coupables. Quand il y a commissaire gouvernement, procureur, il y a une obligation de bon accès à tout dossier. Alors, il y a accès à tout dossier. Il y a des petits bails à mettre devant. On va dire, ah, mon cher, bail ça. On a rien doit venir avec 20 bagailles. Mais on seul suffit pour qu'on a nous. On seul. Donc, depuis qu'on a bien documenté, une seulement, même si 19 non 20, pas ta bon, mais depuis une bon, ou qu'on est à la clé, ou à bon condamnation. Donc, si condamnation, c'est 10-15 ans, au lieu de prendre 10-15 ans, on dit, bon, même si 20 bails, 19 pas bon, mais sous ça, moi, on a un petit bail là. Bon, m'a plaidé coupable là-dedans, mais est-ce qu'on est d'accord pour ces 2 ans de prend ou bien 3 ans de prend au lieu de 15 ans? Donc, procureur lui-même dit bon, ok, d'accord pour 4 ans. Est-ce qu'on est d'accord pour 4 ans? Non, l'avocat a discuté, finalement, nous étions d'accord sur 3 ans, et puis aussi un document signé, etc. Donc, c'est pour ça que nous, le plaidé non coupable, il entrait dans toute une stratégie de défense qui gagne droit aussi au élément de négociation. Donc, c'est ça me dévelé. Préciser okay. Pour des matchs là. Le plaidé non coupable veut dire une stratégie jusqu'au bout aussi. On doit estimer qu'il y a qui est plaidé non coupable qui est condamné à combien centaines d'années de prison. C'est gros l'espérance de plaidé non coupable, il condamné à des centaines d'années. Bon. Et parce que les organes tout prévu, finalement, le grand jury reconnaît pour chaque chef d'accusation est coupable et puis chaque. C'est pas courant en Haïti. Aux États-Unis, pour chaque chef d'accusation reconnaît coupable, son peine liée. Bah, okay, et on va l'additionner. Le cumulatif. Ah oui, le cumulatif. Nous, même système, nous n'avons pas cumulatif. Mais il y a même le cumulatif. Ça veut dire, sous gain 50 ou coupable dans 50 là, chaque 50 là, multiplié par peine, c'est lui-même. Ça a 200 ans, 300 ans, 1000 ans. Et nous, on est à 1000 ans. Bon. À vie, alors. Ou pas 1000 ans, mais c'est le système. Donc, mais ou même. Ou bien nous avons un échange qui va le gagner. Ou bien nous avons estimé que gagner un dossier, on a difficulté la donne. Et on connaît que l'on a difficulté la donne, bon risque qu'on a nous depuis le gain élément qui met en difficulté. On connaît bon risque. Souris ça, on a négocié souris ça. On a négocié souris ça. Donc, et le système permet ça. Maintenant, on développe bonne explication pour comprendre le système. On continue. Maintenant, revenons sur Haïti. Et. On a fait 2 remarques. La première remarque, c'est que le pays d'Haïti signe ensemble d'accords et de conventions. Convention contre le crime transnational, convention contre la drogue, convention contre le blanchiment d'argent, ensemble de
et le fameux accord de 97 dont on dit tant de mal mais soit le garder ou après c'est pas ça qu'a dit du tout parce que les pour tout le monde et Guy Philippe a été arrêté suivant l'accord de 1997. La réponse est non. L'accord n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça parfois bon c'est d'amalgame qui fait. Donc c'est pour ça me commencer par dire que nous signons sur les documents et eux même les garder là-dedans gagne qui prévoit des entraides. Et par exemple, l'accord de 97 qui est ratifié par le Parlement le 19 décembre 2000, et qui ça le dit, son coopération et de par terre et par mer, qui autorisait son convention qui bat réciprocité, même si nous avons une capacité répositaire, mais qui autorisait un bateau américain intervenu dans les eaux territoriales haïtiennes, pourvu que les autorités haïtiennes soient avisées. Et parfois, s'il y a une possibilité, il y a même fait un officiel haïtien monter sur bateau ça, pour aller traquer des bateaux qui ont transporté les drogues qui sont rentrés dans les eaux territoriales haïtiennes. De même, il prévoit la chasse aux aéronefs, ça veut dire petit avion, qui ont transporté dans l'espace aérien haïtien. Voici les deux éléments de coopération à l'intérieur. Elles permettent que l'État haïtien, si un bateau haïtien a poursuivre un bateau et drug dealer li entre dans les eaux territoriales américaines ou averti autorité haïtienne pour poursuivre juste dans les eaux territoriales américaines. De même sous gain avion capable pister l'entrée dans l'espace territorial américain ou gain droit poursuivre. Donc son bail de réciprocité même si nous reconnaître que nous pas en mesure faire réciprocité à donc c'est américain qui a fait là. Mais pas oublier à l'époque le président Préval c'était un paquet de problèmes les matons les votants des dans sud-est petit bateau, drogue, etc. C'est un envahissement problème. Et on tape dit l'État haïtien, mais ou gen engagement pour que ou bataille contre Baza ou pas rien. L'État haïtien dit, je n'ai pas les moyens pour mal combattre. Acheter bateau rapide pour aller courir des dealers. Ou même, ou concerné par Baza, ou gen moyen, et bien, m'autorise faire pour juste ça dans l'espace aérien. Espace aérien, espace l'an. Donc, il n'y a pas rien à voir avec la question vinare ton monde dans le pays d'Haïti. Sauf si par exemple, ma couille dehors et dans l'air, ou déposer avion ou sauver, m'en doit couille dehors. C'est dans suite et trappe là. Et parce que de toute façon, depuis sa fête, j'ai obligation d'appeler les autorités haïtiennes pour dire ma piste tel avion là, la courir, ma force le descendre de l'autre côté, etc. Donc, ça, c'est ou gon autorisation en dedans là. Mais sinon. Voilà que pas gagne ça dans l'accord là, mais il y a des sens. Maintenant, m'a vini. Donc, ou gagne accord ça aussi, qui ratifié par Haïti. Ou gagne accord sur le crime transnational, qui lui-même baille en question d'entraide et globale. Ça veut dire que pendant que on action a fait l'autre bord dans n'importe quel pays qui signe accord, et que gon information t'as besoin en Haïti, juge l'autre bois genwanik voyez information ça mandon juge haïtien pour t'attendre tel monde en Haïti pour lui dans quatre dossiers ça entrée judiciaire sans aucun problème c'est dedans quoi l'enquête et li gen droit même voyez question dans pour juge haïtien c'est question ça poser donc la donne l'état haïtien engagé en dans ces bagages pour bataille ensemble contre les grands criminels parce que les crimes d'argent qui s'allient sont crimes qui traversent les frontières. Il n'y a pas arrêté seulement seul côté. Ça veut dire qu'il traverse Haïti, il traverse les États-Unis, ou bien il traverse la France. Donc, il saute en Colombie, Haïti là l'autre côté. Donc, il y a plusieurs territoires concernés. Donc, c'est pour ça qu'il transnational, il traverse plusieurs nations. Donc, problème non, il faut que nous combattions ensemble. Parce qu'on seul côté, pas qu'à combattre, il laisse son crime transnational. Il est obligé de coopération internationale. Haïti engagé. Malheureusement, Haïti engagé, mais Haïti pas mettre rien en place. C'est ça le problème, non. Ou engage ou prêt pour signer tout bagaille, ou prêt pour ratifier tout bagaille, mais quand il faut mettre en place les structures pour que l'engagement ça, qui lui-même a une responsabilité là, n'est pour signer, ou prend engagement, il a une responsabilité. Mais en Haïti, nous pensons que nous irresponsables. Il faut nous signer très bon, et puis tout le monde est abgadé. Tout le monde est irresponsable. Donc, nous pas mettre en place le système qu'il faut pour nous battre en traite judiciaire ça. À partir de ce moment-là, le système judiciaire haïtien n'ayant pas été aménagé pour que l'école avec cette coopération internationale, maintenant, on vient un problème. On vient un accord qu'on signe, un engagement qu'on prend, et puis, même on y a dit, bon, mais nous avons un problème là. Qui coûte mon cabaye? On ne peut pas faire aucun coup de main. Parce qu'on ne peut pas faire aucun coup de main. Donc, ça, le président Aristide fait
lui-même, il décide, il n'est pas prêt pour juger personne, il est américain. C'est en pratique. Nous, on commence à démystifier les questions, on a dit ça à quoi, etc. Non, c'est une pratique qui a commencé avec le président Aristide. Qui était le premier monde, il était Jacques Tintin, il a arrêté le débat. Mais laisse ça, m'a dit sénateur, c'est pas les ennemis qu'on a donné, parce que Jacques Tintin n'était pas un ennemi de M. Aristide. Non, on parle de généralité. Oui, généralité, ça, c'était un cas spécifique. Exactement. Dans la pratique, ça a été développé, c'est pas les ennemis qu'on débat, c'est les amis qu'on avait donné. Bon. Et premier bail qui fait, il a arrêté Jacques Quétan, ensuite il va l'arrêter M. Eddy Wan, il va l'arrêter ton cédébail. Et pratique, ça a continué après le départ d'Aristide. Nous, même des officiels d'État, notamment le sénateur qui était président de l'Assemblée nationale, en 2004, nous avons pris M. Alavel. C'est dans quatre pratiques ça. Et qui est-ce qui explique tout le tollé avec l'arrestation de Guy Philippe même? Bon, maintenant, il y a l'autre moment. Guy Philippe, c'est quand même un personnage où qu'on a remène, qu'on a remène. Mais son personnage est en couleur. C'est un monde qui était participé à un moment débarrassé PIA de la présence du président Jean-Baptiste Aristide. Mm-hmm. Pour un pile monde, ce refait, les ballons, paquet d'appréciation. Mm-hmm. Bon, et tout ça fait que les bénéficiaires d'un aura est spécial parce que les gens ont été pour un paquet de monde, y compris le président de l'Assemblée nationale, M. Fouel Célestin, pas de gain, aucun bruit. Mm-hmm. Aucun rien. Quelques monde comme ça te dit ah y a la velle et puis pas de gagner. Donc maintenant pratique ça a installé et c'est lui-même qui continue. Maintenant comment mettre un terme à cette pratique, parce que l'organe pratique qui pas découlé d'aucun cadre légal. Donc il faut que vous mettez un terme à lui-même. Ou bien doit lever demain et vous dit bon dorénavant ça va bien faire là encore, mais comment à ce moment-là et ou même vous décidez la police pas gain droit coopérer pour mettre et arrêter un monde pour qu'après chercher sur le plan international par Interpol ou n'importe qui, ou bien on dit, pour sa fête, dorénavant, faut transmettre dossier à l'État haïtien, Jean, convention au deal, parce que quand Jean, convention au deal, il dit que, supposé que Haïti a fait enquête contre un crime de drogue, ou de blanchiment d'argent, et Mounsa, bon information qui t'a aux États-Unis, ou Mounsa t'a réfugié aux États-Unis, Haïti doit préparer son dossier, remettre ça aux autorités américaines pour demander pour extrader mon envoyé Bali. C'est la même chose, autorité américaine veut faire la même chose. Il a remettre dossier à bah, la justice américaine qui a transmettre à travers les voies diplomatiques, arrivé en Haïti, le ministre des Affaires étrangères a transmettre bah, le ministre de la Justice, qui lui-même a transmettre bah, le commissaire du gouvernement chargé de saisir le doyen pour qu'on juge lui-même les dossiers. Voici la procédure et puis juge là lui-même après le finalisé dossier dit oui les documents sont solides, nous sommes d'accord pour autoriser, encore que ou ne pas d'accord bah un haïtien. À ce moment-là si sont si étranger ou dit on remet l'étranger parce que le dossier transmis est correct. Si c'est un haïtien on dit comme convention pas forcer au remettre on nationalité. Et comme nous estimons un Américain pas bien, un Américain pas élu, nous-mêmes, nous n'allons pas donner un Haïtien. Nous demandons, vous êtes dossier avant nous, nous avons jugé mon nom en Haïti. Mais il faut être capable de juger, les ça, il faut avoir une capacité ça. Tant qu'on n'a pas une capacité ça, on pas faire une vraie négociation ça. Imler Rebu, dossier Guy Philippe Lanfant, pile débat. Qui lumière qu'on est capable de porter pour nous dans le débat ça? Bon, je ne sais pas grand pile bail pour m'ajouter à ça, mettre le blanc sur ce dossier, non? Et Haïti a vivre à l'intérieur du concept mondial et c'est yo gérer ensemble ça les crimes transnational et conseil de crimes qui lié à trafic d'argent, blanchiment d'argent. Et là au passé dans pays ça pas concerner pays à seulement. Et ça mettre le blanc d'eau là c'est incapacité de nous-mêmes pour nous montrer nos sérieux pour nous gérer dossier à l'interne pour nous anticiper et puis pour nous faire gestion dossier. Et il dit exactement ce qui est, commissaire Guy Philippe, c'est un monde spécial en Haïti. Il y a un ministre Andou, et c'est vrai, ou cap pas aimer Guy Philippe, ou cap très aimer, c'est un personnage qui pas cap passer dans l'indifférence. Donc, c'est ce statut personnage-là qui baille événement tout en plus, ça. Et pas un rien deux particuliers. C'est même ça, matin, ouais, la même ville en grand retard. C'est gérer un vol qui fait en République Dominicaine.
et puis nous venons une trace et fait vol là et au Cap Haïtien. Donc deux pays ont gain des accords de entente pour une et de l'autre dans cas ça. Donc c'est le bail qui totalement normal, par exemple et élément matériel crime dans que nous venons, c'est propriété un dominicaine que lié. Donc invariablement n'a fait ça rien pour faire, n'a restitué la République dominicaine bien et ressortissant là qui retrouvé en Haïti de manière frauduleuse et très certainement poursuivre moun nan qui fait ça. Maintenant on dit moun nan ta un haïtien qui opérait voilà. Maintenant faut l'état haïtien montre capacité pour juger pour poursuivre moun nan justice. Mais s'il a montré incapacité pour le poursuivre la justice, et la République dominicaine lui-même qui a des devoirs envers les sortissants par là pour le bal justice, on entend qui fait, et comme nous avons plusieurs exemples, c'est parce que c'est le commissaire Guy Philippe qui est un personnage important en le pays, qui d'ailleurs, malgré tout ça, on est capable de dire ou capable de reprocher, n'a pas l'un côté de sortir, il a allé comme candidat, il est élu comme sénateur. Cela veut dire qu'il y a un pile de monde dans la population qui a tort ou a raison, pas un jugement pour une beauté là, mais c'est la décision d'une population au niveau d'une structure électorale qui pensait et estimait qu'il doit confier le mandat. Donc c'est ça qui bail. Maintenant, qui ça apprend nous comme leçon? Nous avons un devoir de nous organiser à l'intérieur pour nous capter de plus en plus sérieux, de telle sorte que les nous avons une accusation qui peut être contre le monde, c'est pas dans parler, c'est dans les actes légaux que nous entreprenons qu'il faut dire, ah, ben, ok, nous avons une capacité pour poursuivre le monde la caillou, donc nous n'avons pas besoin à le faire de bagailles qui, mais c'est pas rien d'illégal, c'est pas qui fait à travers entre la France, les États-Unis, des échanges de monde qui nuit le système social. Ce n'est pas un bail spécial. Mais rapidement, colonel, comment faut-il comprendre la position de ceux-là qui persistent à croire que le président Jocelyne Privert gagne même dans sa patient comme quoi c'est lui qui t'a derrière l'arrestation, président Privert, dont vous êtes un des principaux conseillers? Bon, je ne vois pas l'approche personnelle dans la chose. Premièrement, en tant que secrétaire d'État à la sécurité publique, donc membre du gouvernement, je suis solidaire de tout ce que fait le gouvernement. Lors non gouvernement, ils font bagaille ou pas d'accord, ou démissionner. Et aspect républicain l'État, pas même dans beaucoup de cas, même bon droit pour expliquer pour qu'ils soient démissionnaires. Cela veut dire que m'pas ta même on dit que m'ta gon désaccord tellement fort démissionné l'état pas même permettre mal camper sur la place publique pour m'a expliquer pour qui ça fait démissionner. C'est l'aspect républicain de l'état. Maintenant m'pas quoi que gon bagaille de vengeance personnelle. Alors c'est quand qu'on m'ta doit assez souvent nous voulons sortir de sujet réel là pour nous mettre son bagaille qui cap émotionnel lui-même et émotionnel là capable émousser population en sens ou intérêt ou l'autre. Et moi-même moi quoi sous dossier ça tout le monde a intérêt rester tendre parce que grand pile monde qui doit prendre parti très fortement et puis les faits dans 5 semaines 1 an 2 ans gagne doit venir forward que nous t'ai trompé nous de bonne foi. Donc c'est un dossier qui est devant une structure judiciaire, les Américains ne sont pas fous et puis ça fait pas mettre le blanc venir prendre. Et donc yo gen charge kounyen pour yo di ki sa yo gen nan men yo ki fait yo rentrer en dan coopération ça. Et il faut souligner d'abord c'est la police nationale qui a arrêté et qui a transmis et à l'intérieur code de d'échange quand qu'on gen des échanges d'informations, gen information moi gen m'obliger traiter là avec un pays étranger s'il gen rapport avec pays étranger. C'est gen les côtés étrangers arrivé gen limite li. Par exemple, ma problème de nos réunions, l'un fin préparer concept global sécurité élection, par exemple. Et gros travail technique qui fait, donc on est grand pile étranger qui est impliqué là-dedans. Gros côté mouvement, me dit bon, l'un arrivé là, ce travail, c'est le travail du gouvernement haïtien. Donc c'est moi-même qui gagne responsabilité pour mal sécuriser le plan de déploiement que nous faisons. Parce que conseil de sensibilité du point de vue information, pas qu'à échanger avec nous, que pas échanger avec nous. Donc je prends la responsabilité de la gestion de la structure de renseignement qui pour aboutir pour consolider plan ça. Mais écoutez colonel, est-ce que la police est capable d'arrêter sans pas recevoir l'ordre?
Puis la police pas que pour recevoir l'ordre pour l'arrêter. La police gagne mission pour poursuivre tout le monde qui a fait un bagage contre la société. Et par exemple, on dit t'as un criminel qui font bail, la police pas que pour l'allemand non chef autorisation pour le cabaret tel monde. Il fait travail lui. Il fait travail routinier de la sécurité routinière de l'État. Il gagne une mission. Il gagne une mission qui définit et il gagne pour l'acte en une mission, pas que pour l'allemand d'autorisation ni l'allemand de conseil. Sans transition. Rudy Rivaud, écoutez, gagner l'Assemblée nationale non, que la loi prévoit qui pour fête chaque deuxième lundi du mois de janvier, qui était fête, et justement, 9 janvier, eh bien, qui saute passé là. Mais faut dire que l'Assemblée a été faite après que le Sénat ait fini valider pouvoir 6 nouveaux sénateurs. Ça fête, et peu de temps après, on dit quelques jours après, tu as pris un bureau, donc il formé, ça qui voulait dire que tout bagage s'inscrit dans l'ordre, donc dans le Parlement. Comment est-ce que ça va passer? Eh bien, d'abord, c'est une très bonne chose, le fait que finalement, nous sortis de dossier et question élection, parce que, qu'on, et surtout élection présidentielle, là, qui est épuisé, oui, n'a pas avancé, et que, qu'on y a là, nous, a pas avancé sur d'autres dossiers qui viennent au cœur de l'actualité. Tant qu'on dit là, ce n'est pas trop tôt. Finalement, on gagne des parlementaires qui élus et 6 sénateurs qui prêtaient serment et que pouvoir valider par cette institution importante de la République, qu'est le Sénat de la République. C'est bien, nous disons bravo, félicitations. Et puis, gagner un nouveau bureau à la tête du Sénat de la République et de la Chambre des députés, nous complimenter non seulement président Yo, Scholzer, Chancy au niveau de la Chambre basse et le sénateur Yuri La Tortue au niveau du Sénat de la République, ainsi que tout membre et qui compose les bureaux Yo, la sénatrice du Nord, Dieudonne Luma, qui première secrétaire, Willow Joseph, par exemple, qui deuxième secrétaire, puis Kester, Larry Carpierre, et puis le sénateur Salomon également, nous dit bravo, compliments, ainsi que tout l'autre député qui fait partie du bureau Yo. Machine républicaine non, en marche. Ce n'est pas trop tôt. Les reprendre vitesse de croisière li, en attendant que institution électorale la fin compléter question élection, hein, ou senti une sorte de soulagement au niveau et du pays, bon côté citoyen yo, qui t'es nan, des sentiments diffus, de lassitude, d'exaspération, yo t'es fatigué avec question électorale là. Nous franchissons étape cruciale dans la logique de renforcement institutionnel yo. Donc, nous dit bravo. Donc, dans le moment que nous avons parlé là, même Jean, président saute son autre côté que lui féliciter justement, et deux bureaux yo qui élu à la tête, et du Parlement, du Sénat de la République et de la Chambre des députés. Et puis, il montre disposition que le gagnant pour le renforcement de la stabilité, la consolidation des institutions démocratiques, nécessité qui gagnait pour que gagnait une collaboration franche, qui chita sur le respect scrupuleux des principes démocratiques. Et puis, dans souci tout, pour que nous jouions une véritable concorde entre l'exécutif et le législatif. Donc, président montre que disponibilité, disposition, pour le capable collaborer avec le Parlement pour le bien de ce pays, la santé de notre démocratie. Donc c'est là que nous arrivons et nous souhaitons que rapidement le processus électoral là l'y compléter pour que toute institution y ait en place, les collectivités également y ait en place et puis pour que nous allions de l'avant. Camille Leblanc, en tant qu'avocat, comment ouais Assemblée nationale là, qui était faite là et puis bureau jeune évodiant qui s'en s'est mis en place. Bon, les fêtes dans le cadre de la Constitution, c'est-à-dire les fêtes deuxième lundi, et les fêtes avec la majorité requise pour que l'Assemblée nationale fête. Ça veut dire dans deux chambres, il faut une majorité absolue, c'est-à-dire Sénat a gagné plus que 16 sénateurs et Chambre députée a gagné plus que 60 députés. Donc, conditions légales constitutionnelles étaient remplies. Donc, les fêtes dans le temps et constitutionnel, parce que c'est une bonne démarche maintenant que vous continuez et faire en sorte que 7 février aussi, ou bien le temps constitutionnel avec un président qui prête ses membres, parce que là, on a rentré, retourné dans le temps constitutionnel, et ce qui est une bonne chose. Imler Rebu, votre avis sur la question? Premier bagage, c'est compliment à paix. Présenter les deux présidents des deux chambres. Pas de occasion faire. C'est une. D'accord, son presse politique.
que à arriver et occuper à la fois la présidence du Sénat et la présidence de la Chambre des députés. C'est extrêmement rare, extrêmement important. Mais est-ce que là, c'est pas dangereux, colonel? C'est une donnée politique. C'est la politique, c'est la théorie de la puissance. Quand tu as la capacité d'atteindre un objectif politique, ou bien on a les moyens pour le faire. C'est dans le jeu normal de la démocratie. Et puis, il y a un bail qui est extrêmement important. Il ne faut pas oublier que Chamio Pokofin au complet. Il y a une ré-sélection pour faire. Et c'est sur ça notre travail pour permettre le 29 janvier, deuxième tour pour l'autre parlementaire qui Poko est élu au fait. De telle sorte que le Parlement soit complet. Et il y a un travail qui a fait tout pour permettre que nous fassions tout ça pour faire pour le nouveau président de la République là. Et prend responsabilité dès le 7 février, comme a dit le ministre Blanc, et pour commencer à rentrer dans un dossier sérieux, dans un vrai dossier, et avec une nouvelle équipe gouvernementale. Où dire, il faut écouter. Résultat définitif proclamé, c'est Jocelyne Brivère, et pas Jocelyne Brivère, c'est Jovenel Moïse, eh bien, qui est nouveau président pays d'Haïti, il prend investiture 7 février, qui est là. On a sécu bagaille. Qui perspective même? Et permettez-moi d'abord commencer par féliciter, saluer. Et d'abord, le président Brivère, qui quand même te prend des engagements, un engagement clair, ferme, devant et compatriotes nous, la République et nos partenaires internationaux, côté que l'été prend engagement pour que l'élection, finalement, et nous sommes capables de dire feuilleton électoral, là, ce marathon électoral, enfin, nous finis avec. Heureusement, m'envie dit, dernier épisode de pour question présidentielle là, et l'y jouer, il y a le citoyen Jovenel Moïse qui a été élu et président de la République dès le premier tour. C'est une très bonne chose. Discours là, t'es réussi, convaincre, séduit électorat, et tant que constitution nous en prévoile, et puis les valeurs républicaines prévoile tout. Donc, celui qui aura réussi à obtenir la majorité et des voix, eh bien, c'est lui-même qui est président. Il l'a fait dès le premier tour, donc c'est une sacrée performance. Saluer et engagement et le fait que le président privé respecte l'engagement, permettre de saluer le sérieux, le professionnalisme, non seulement de la PNH qui était un travail remarquable pour que l'élection yo abouti, et aussi les membres du conseil électoral provisoire, avec en tête M. Paul Berlanger. Parce que nous, nos pays, côté que exercice dans sport national, nos exercices favoris, nous, c'est détruit l'autre, chercher écraser l'autre, mais lorsque qu'on qui bon qui fait tout, il faut avoir l'élégance, le courage, l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qualité de travail que M. Léopold Berlanger fournit, que les membres du CEP fournit, qui permettent que, justement, c'est la voix de la majorité qui triomphait et qui imposait un président. C'est pas quelqu'un qui va le chercher sur l'autre planète qui débarque là, un alien, un extraterrestre, un vénusien, un martien, qui vient président. C'est un terrien, un haïtien, qui était un discours quand même qui séduit avec un substantiel projet et de mutation sociale qui réussit conquérir cœur majorité électorio, eh bien c'est lui qui réussit. Le fait que CEPA, lui-même, respectait à la lettre choix qui exprimait par la majorité de nos compatriotes, eh bien il faut saluer le professionnalisme, le sérieux, justement, de l'institution électorale, avec en tête de liste le président et M. Léopold Berlanger. Il faut le faire. Nous saluons tout l'ancien président du Conseil électoral provisoire, M. Aupont et autres. Pour quelle raison? Parce que, à l'arrivée, nous finissons par remarquer que, dès le 25 octobre 2015, c'était justement le résultat qui avait été donné et pas le conseil électoral provisoire, il était reflété la réalité du terrain politique. On va pas rentrer dans aucune polémique, même dévelé et souligner ça. Donc aujourd'hui, quelles sont les perspectives? La situation est un peu plus compliquée. Ou gagner des prévisions qui fait côté que dit c'est 0,6% seulement de croissance qu'après gagner au cours de l'année 2017, ça n'augure rien de bon. Ça montre aux difficultés, pas gagner, t'as capable de dire, et la manne pétro-caribé, entre guillemets, puisque son dette que lié. D'où engagement que président Jovenel Moïse a pas gagné pour faire face à Rio. Dès le 7 février prochain, c'est un défi de taille, un défi colossal. Tant qu'on m'a dit là plusieurs reprises, même dans le micro, puis loin, puis fond, on me dit là encore, c'est pas un cadeau d'être président de la République aujourd'hui en Haïti.
C'est un lourd fardeau, une lourde responsabilité. Il va falloir qu'on fait preuve d'intelligence et pour aller frapper toute qualité porte qui est capable d'ouvrir pour vous à travers chez nos partenaires de la communauté internationale, ailleurs, pour voir comment vous êtes capable et réussir à atterrir projet, programme, vision qu'on gagne. Ce qui signifie quoi? La nécessité qu'il y ait un rapprochement, un ralliement, M. Terrorigo, entre tous les fils et toutes les filles de ce pays, quel que soit bord politique qui appartenu. J'insiste là-dessus. Merci de l'opportunité qu'on nous, non plus, nous, pour insister sur ça. Le président Jovenel Moïse t'a dit clairement, ça n'a pas été un discours, on est capable de dire électoraliste. C'est un discours qui est sorti tout droit et du cœur, m'a envie de dire sincère, parce que, en réalité là, c'est ensemble que nous devons faire les choses. Ensemble, nous serons beaucoup plus forts et plus efficaces. Papa, il y a une question de PHTK et alliés seulement. Ensuite, les autres seront capables de dire mis de côté, méprisés, ignorés, oubliés. Il n'en est pas question. Donc, c'est un travail d'équipe, un travail collectif. C'est quel que soit, comme on dit, il va falloir, le président l'avait dit aussi, tirer le meilleur de ce qu'il y a chez tous nos compatriotes, quel que soit secteur politique qui appartenu. D'où, je profite de l'espace pour me conclure, pour féliciter. Saluer quand même et courage et le fait que tu aies d'autres compatriotes, d'autres secteurs politiques qui t'aient engagé dans le combat. Nous t'as souhaité que de tout cœur, on ait esprit de dépassement, de transcendance, puis on rejoindra le train de l'histoire qui est en marche, rejoindre le président Jovenel Moïse, qui à partir du 7 février va être intronisé 58e président d'Haïti. Camille Leblanc, 7 février, Cap Vinila, pral gagner un nouveau président qui prend investiture, c'est Jovenel Moïse. Comment est l'avenir? Bon, deux choses. Et premièrement, perdre n'est jamais une chose très facile. Et si c'est l'embolette, mon yo joué, yo perdu, yo va rien problème. Yo va rien problème. Et bolette l'a fait plus tard, y'a l'acheté encore, yo va rien problème. C'est ça nous constater. Bon, ici, perdu l'embolette, pas rien problème. Bon, maintenant, lorsque mon yo a l'élection, bon difficulté pour que mon yon accepte. Bon, me comprendre, ou aller, il y a des voies de recours prévues, ou faire tout ça, la loi dit. Mais après la proclamation des résultats, par l'instance qui te mettait là pour ça, le conseil électoral, faut accepter. Ça veut dire partout, dès lors que nous ou sont démocrates, et ou qu'on est, bon, institution qui met en place, ou accepter l'institution, donc, ou accepter légitimité, institution ça, pour c'est lui-même qui organise et qui proclame. En dans loi, ou épuiser toutes les voies de recours, mais au moment où la proclamation est faite, vous devez, à ce moment-là, cette phase-là, accepter. Vous devez faire des commentaires, montrer que vous avez des réserves par rapport à telle ou telle chose. Mais la proclamation est faite par l'autorité chargée de le faire. À ce moment-là, un républicain se doit d'accepter. Maintenant, et m'inviter, tout républicain qui était à l'élection, parce qu'on est à l'élection, parce qu'on devait contribuer à l'avancement de la République. Donc, il faut que vous fassiez preuve de républicanisme et m'inviter au niveau ça. Maintenant, aux élus. Aux élus, d'adresser mon perdant, mais aux élus. Pas perdant, non. Au nom aux élus. Donc, je ne vais pas parler d'un perdant. Donc, ou bataille dans l'espace démocratique, ou proposer tête tout. Donc, population pas élu, ou son non élu ou pas un perdant. Parce que, pas d'où est un perdant, non, et ça a fait là. Aux élus, maintenant, pas quoi ou besoin de triomphalisme, parce que pas gagné à triompher, pas gagné de triomphalisme, pas gagné à démontrer, point barre, la population vous a donné un mandat. Maintenant, à vous-même de mettre à la hauteur de mandat ça. Le 7 février, d'ailleurs, il y a des députés sénateurs qui ont même élu déjà en fonction. Il y a le président à partir du 7 février, nous souhaitait que cette nouvelle équipe. Entouré des compétences de ce pays pour construire notre pays. Himmler Rebu, 7 février, prochain président pour l'investiture. De quoi demain sera-t-il fait à votre avis? Bon, c'est la fin d'une histoire qui ouvre la page sur l'autre, une nouvelle histoire et que nous souhaitons qu'elle soit plus brillante. Et je pas tellement comme grand pile pour m'ajouter le ministre Rivo avec le ministre Blanfin est venu là. Ça que je cap dit, comme mon monde qui a un petit peu participé depuis 9 mois à l'action gouvernementale, et encore une fois, je cap profiter de l'occasion ça, que le président privé, le premier mot, le premier jour que je me rencontre avec là, le premier mot que le débat, moi, c'est ça qui expliquait que je m'étais côté comme conseiller pendant un temps.
3 ou 4 mois et puis m'bin aller comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Et ce qu'il avait dit qu'il allait faire, on est resté à l'intérieur de la mission. Et c'est une belle expérience que m'te collaboré avec deux monde qui est extrêmement tranquille, qui apaisé, qui pas chercher la guerre, qui pas chercher organiser, ou même désorganiser l'esprit monde, et qui était son ligne, de monde très apaisé, au monde comme le premier ministre Jean-Charles, au monde comme chef de cabinet président Jean-Max Bellerive, et de monde qui très apaisé, très tranquille, avec lesquels nous avons très bonne collaboration, et nous arrivons à un résultat apaisé également. Audi Rivo, une minute pour placer le mot de la fin, rapidement. Mon cher Gombay, que mes crimes m'a répété là dans l'émission pour conclure, m'a dit rapidement, on dit que et les vaincus doivent être traités avec dignité. Mais ils doivent éviter de cracher sur le rameau d'olivier qui leur est tendu. Ça veut dire que, tant que ministre Leblanc se dit, il me l'a dit le tout, pas qu'un excès de triomphalisme, euphorie, qui a fait que, ou pas bien cerner réalité difficile qui est devant nous là. Ça ici, nous y est, que nous mettons tête nous ensemble pour nous travailler ensemble avec président Jovenel Moïse, ensemble avec nos parlementaires, ensemble avec les maires, ensemble avec Azek Kazek, délégué de ville Capralguin pour élu là, pour le bien de ce pays et pour la santé de la démocratie, pour le bien de tous nos compatriotes. Camille Leblanc, le mot de la fin. Le mot de la fin. Et puis merci de l'invitation, hein. Bien sûr. Okay. Le mot de la fin, c'est permettre que moi, messieurs, et pour l'invitation, permettre moi, messieurs, mettre un nom de nous qui était organisé techniquement, qui permettre les possibles et. M'abdon ba est très simple. Et aux Haïtiens, en général, d'hier et d'aujourd'hui, ça rejoint le pays d'Haïti, ça t'es là depuis descendants et au de l'indépendance, et ça vient rejoindre nous au cours des ans qui sont là. Nous avons un pays à construire ensemble, puisque c'est notre pays. Et faisons en sorte que nous léguons pour la nouvelle génération un pays. Imlagribu, le dernier mot. Bon, premièrement, ma remercie pour l'invitation, Wilkie Bonaventure qui était piloté et dans la table de contrôle là permettre que voix nous river caille et toutes haïtiennes cap côté nous que nous saluer et nous souhaiter une gestion apaisée ou dire Vaudili la paix extrêmement difficile parce que les dossiers de l'État d'un point côté extrêmement difficile, en pile discernement, mais surtout un climat de tranquillité, de test de tout le monde capable de faire travailler au Genjan pour faire li. N'a pas continué à faire cette tâche-là pour sécuriser deuxième partie élection et pour permettre que tout bail bien passe à son bien fait, bien passé dans la tranquillité, dans la sécurité et permettre à nouvelle équipe-là venir prendre charge et nous toutes pour mettre main pour essayer de construire un pays différent. Voilà, madame, monsieur, c'est là que nous mettons fin à l'émission Pile ou un Pifon, côté une table accueillie. Trois invités du haut rang, Himmler Ribu, ancien colonel Force armée d'Haïti, conseiller spécial président Jocelyn Privé, Camille Leblanc, qui c'est avocat, mais qui c'est ancien ministre de la Justice, Woody Rivo, qui c'est médecin, ancien président Chambre députée, ancien ministre communication, porte-parole PHTK, sous table contrôle pour les manœuvres techniques, tout est gagné notre grand ami Wilkie Bonaventure, en backup à réalisation de l'émission Santé et nos charismes. Et moi-même, madame, monsieur, tu as honneur de recevoir distingué invité Sayo, non pas M. Taylor Rigo. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur Uten et nous souhaitons bon dimanche.